Allez, c'est parti pour ce tour embarqué d'Interlagos. On va arriver au premier virage, le S2C9, freinage au panneau DHL en deuxième. Passe le droit en troisième, on ouvre le DRS en quatrième. Maintenant on est à fond, on passe la 6, on utilise tout son kart pour ce rapport. On est en 7, on va arriver à plus de 320 km/h au virage 4. Freinage très important, on freine à 75 mètres, on passe à 3ème. Attention, on ne peut pas perdre l'arrière. Attention au rebar aussi, on ouvre le DRS. Maintenant le virage 5 facile. On remonte vers le virage 6, Ferradura. Freinage 50 mètres, on passe en 5ème, on est en appui total. Et maintenant dans un enchaînement de virage très très lent, on passe en 2ème. Attention à pas prendre trop de vibreurs à gauche. On suit la ligne blanche, on accélère très tôt, on ouvre le DRS. On passe en 4ème, attention à l'herbe à droite. Maintenant l'épingle, le virage plus long du circuit. En première, on accélère très tôt, on ouvre le DRS. Maintenant on prend cette longue courbe à gauche à fond avec le DRS ouvert. Maintenant on freinage 75 mètres pour le dernier virage. En deuxième, attention à la motricité ici, on ouvre le DRS. On utilise tout le kart qui nous reste pour la dernière ligne droite du circuit. Près de 15 secondes de pleine charge. Et on va aller passer la ligne d'arrivée.